C'est Steph! Hey, salut la gang, c'est Steph. Premier épisode, chasse au chevreuil 2015. Tout de suite, vous vous demandez, pis le Butter Peanut, ça marche-tu? Je vais regarder ça plus tantôt. C'est la deuxième journée de ma fin de semaine. Là, je suis dans mon champ. Pas bien ben loin de où ce que je vais chasser, là. Puis ça se peut qu'il y ait des chars, qu'il y a le chemin sur le bord, là, qui passe, là. En tout cas. Hier, pas trop d'action, seulement 7h-5 à peu près, commençait à faire noir, le coucher du soleil était à 7h-5, fait que commençait à faire pas mal noir. J'entends marcher en arrière, c'est évident, faut que ça soit de même, parce qu'il faut que ça soit dur, que je me revire de bord, puis tout le kit. Puis je me revire, pas capable de voir c'est quoi, mais j'entends marcher, puis je capote, puis pou 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 pou. Écoute, la bébite a passé en dessous de ma cache. Il y a trois arbres, là, puis je t'ai installé là. Quand t'es arrivé en avant, ben, c'est mon beau ami le porc épic qui est venu faire un tour encore. Fait que. Mon porc épic est venu me voir, j'ai pris une couple de photos, checker ça. Fait que c'est ça, là, on va retourner pour la deuxième journée. Dans l'après-midi, il fait pas super beau. Il a mouillé toute la nuit, fait que j'espère qu'il va y avoir des bébites qui vont venir. Des bébites à quatre pattes, avec des bois peut-être, espérons. Des belles affaires qui sont venues pendant que j'étais pas là. Évidemment, des hosties de râteau. Mais ça va répondre à votre question. Si le beurre de peanut ça marche, checkez ça là. Checkez les vidéos. Pour bien chanceux, toutes les fois que je fais un enregistrement, il n'y a pas personne qui passe. J'espère que le son va être bon, qu'il n'y a pas trop de vent. Je me mets proche du char pour pas qu'il y ait trop de vent. Puis quand que le monde passe, je suis pas en train de filmer, puis là je suis là, puis hop, il y a un char qui s'en vient. Mais sûrement que le gars, le monde doit se demander. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, à se filmer à la carcasse? Fait que, anyway, là je retourne. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer cet après-midi, fait que je peux pas vraiment vous en parler. Je vous en parle tantôt. Fait que ça va être très rapide, mais c'est ça. Fait que c'est ça. Je sais pas si c'est de même partout, mais tabarnouche, cette année, hein, y a du champignon en sacrifice. Ça, c'est des photos de champignons que j'ai pris en chemin, en m'en allant, en rentrant dans le bois, puis en m'en allant à ma cache. J'ai pas cherché, là. J'ai dit, ah, tiens, des champignons. Ah, un nouveau, tiens, un nouveau. Pris une photo. Ah, tiens, un autre nouveau, tiens, une photo. Le kit, c'est comme, on a toutes les couleurs, toutes les grosseurs, toutes les sortes, que je sais pas, puis je laisse là, hein, je sais pas c'est quels qui sont bons, puis c'est qui sont pas bons, anyway, là je suis en train de m'en aller
à mon site d'appâtage pour vous montrer le beurre de pinot et tout ça, là. J'ai fait le réenregistrement parce que quand j'ai enregistré cette partie-là dans le bois, ben, j'étais évidemment à mon site et je voulais vraiment pas faire de bruit. J'ai pas vraiment parlé très fort, puis il y avait pas de son sur la vidéo quasiment, là, à part quelques chuchotements ici et là. Fait que j'ai pas eu le choix de recommencer tout ça. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais vous montrer la peau de beurre de peanut. Le deuxième, parce que le premier était vide quand je suis arrivé, fait que je l'avais remplacé la veille. Puis le beurre de pinot était tout liché, fait que je souhaitais que c'était des chevreuils. J'avais pas vu encore la caméra de surveillance que j'ai déplacée, que j'ai mis sur l'arbre juste là, plus proche. Un petit pot de beurre de pinot pour avoir une meilleure vue. Puis ça, ben, c'est ma cache avec les trois arbres. Ce que le beau parc épique a passé. Ça me fait suer en temps. Ben, je vais essayer de pas sacrer, là. Je parle pas fort parce que je viens d'apercevoir un chevreuil dans le fond là-bas. Assez loin, là. Puis c'était vraiment un chevreuil. Mon petit problème, c'est que. Il y a un gars qui a passé. Avec un 4 roues pour niaiser dans le bois 2 minutes. Mais juste exactement au même moment que j'aurais été là, puis c'est la question que je sais pas s'il est parti loin ici, donc on a coincé, c'est pour ça que je vois pas fort. En tout cas, là je fais pas de bruit, puis j'attends. J'espère qu'il va revenir. Bon, vous verrez probablement pas. C'est tellement grave. Finalement, votre chevreuil qui est venu, là, il fait frais en tabarnouche. Je change une laine en dessous de mon manteau. Fait que c'est ça. Pas de chevreuil en fin de semaine. Juste une petite visite de même, puis j'ai fait oucher par un maudit 4 roues. Fait que ça va être la semaine prochaine. Puis là, ben. Je vous laisse sur des belles images de ratons. C'est tout en drôle des ratons. Surtout quand ils font des affaires de même. Salut là. À la prochaine. Hey Marcel! Viens m'aider! On va pogner les pommes! Non! Ah man, t'es poche! T'as une minute, je vais aller voir dans l'arbre. Ça sent le beurre peanut, man! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, du barbelé? Tabarnouche! Ah, attends une minute! Hey man, y'a du beurre de pinot! Marcel, y'a du beurre de pinot! Hey! Oh, Marcel! Y'en a sur l'arbre, y'en a partout! Hey, ça sent le beurre de pinot, c'est bon! Tabarnouche! Marcel, viens! Viens-t'en! Moi, je mange des pommes, c'est meilleur de la santé! Hey, galop! Avec ses pommes, y'a même pas qu'à les poignées! Ça a l'air bon! Oh man! Il est temps, Marcel, tu sais pas qu'est-ce que tu manques, man. Beurre de pinot, c'est hot, ah, tabarnouche. Attends une minute, m'a réinstallé comme fou, là. Ok, oh man, c'est bon. Arrête d'en manger, tu vas t'enfler. Ah, t'es jaloux, aussi? Oh man, c'est bon. Tabarnouche, aussi. Ah, tu sais pas qu'est-ce que tu manges, man. C'est bon. Ah, bon beurre de pinot. Hey. T'en laisse pas, man. Je le mange tout, moi, tout seul. Hé! Le beurre de pinot, tu sais que c'est bon, dans ma langue. T'as vu l'autre man, c'est glissant là, je sais pas ce qui se passe. Ah, poigné comme fou là. Ouais. C'est pas mal bon. Yeah. Ah, merde, attends une minute. On va remonter là. Marcel! Asti, je suis poigné dans le barbelé! Je te l'avais dit, Guillaume!